place de la Monnaie, mais aussi dans les rues adjacentes. Aujourd'hui, c'était les dernières répétitions pour les Motas que nous invitent à découvrir David Courrier et Frédéric Dehaineaux. Regardez. C'est un spectacle de rue dans lequel on se confronte dans un monde d'hommes à moto. D'hommes à moto qui n'ont qu'à bien se tenir. Les Motas débarquent demain, place de la Monnaie. Aujourd'hui, elles peaufinent leur spectacle. Il s'agit de bien se faire remarquer. Et à Bruxelles, ça n'est pas évident. À Bruxelles, c'est un peu... Déjà, les gens ont un peu peur de ça. Ils savent pas trop. Et aussi, ils ont difficile à donner des sous parce que juste, ils sont pas habitués. Donc, ils se demandent pourquoi je donnerais des sous à ça. En Italie ou en Espagne, les gens sont plus habitués à ça et du coup c'est un peu plus facile. Dans ce cas, être soutenu par une ASBL comme Spéculoos qui organise ce festival dans les rues de Bruxelles et Place de la Monnaie, ça rassure. Souvent ils ont joué au chapeau le début de leur numéro, ils sont venus dans les premières années, on les a vus, on a aimé ce qu'ils faisaient et on essaye de les programmer de façon officielle. Mais là on essaye d'avoir une programmation belge principalement, mais aussi avec touche internationale pour tirer la qualité vers le haut. Parce que les artistes au chapeau viennent le samedi voir les spectacles professionnels et voient un peu les bonnes idées à récupérer. Confirmés ou non, ils attendent donc le public bruxellois tous les samedis de l'été et ils ont des arguments. Essayez de regarder chaque fois que vous voyez un artiste dans la rue. Ça peut être intéressant et amusant plus que la télé. Voilà, le message est passé en tout cas.